Et yo tout le monde, c'est Dr Play et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Garry's Mod. Et pourquoi sur Garry's Mod? Ben, déjà pour commencer, on est sur mon serveur SB Galaxy, donc mon serveur qui s'appelle maintenant, et c'est définitif, il s'appelle Overspace. Donc vous pourrez rejoindre, il n'y a pas de souci. Je vous mettrai l'IP du serveur. Hein. De toute façon, dans l'ancienne vidéo que j'ai fait, il y a l'IP du serveur, l'IP du TS. Et la collection du serveur. Donc vous regardez et vous verrez. Alors, donc pourquoi je fais une vidéo sur ma map et pourquoi déjà pour commencer. Alors déjà pour commencer, tout d'abord ça fait vous êtes 82 abonnés. Alors pardon, sur ma chaîne YouTube, vous êtes 82 abonnés. Donc déjà ça fait beaucoup. Hein, je suis hyper content. 5000 vues. Alors, vous direz pour un petit débutant ça va quand même. Hein, ça peut le faire quand même. Voilà, et puis voilà. Donc, je ferai peut-être beaucoup de vidéos sur mon serveur, sur Garry's Mod et tout. Sur Minecraft, j'ai arrêté un petit peu, mais dès que j'aurai les moyens de payer les serveurs, je paierai serveur Garry's Mod que je paierai par un de mes potes qui est très sympa qui me le fait payer pas cher. Et on fera un serveur Minecraft aussi. Voilà. Donc c'est parti, alors quel est le nouveau mode? Alors il y a un nouveau mode dans le TARDIS Rewrite, vous allez voir. Non, ici, peut-être vous faire un peu le tour de la map. Ouais. Ouais. Allez, on va se faire un petit peu le tour de la map avec Mickey Way. Donc, Mickey Way, pour l'instant, là vous voyez qu'il n'y a rien, hein, c'est sûr. Ici, on a rajouté une porte des étoiles avec ça, mais bon, après, c'est tout naturel, c'est normal, hein. Voilà, ça ne s'est pas dupliqué en deux. On a mis des rings de téléportation et des rings de téléportation à chaque ça. Voilà. Donc on va composer la porte à cette toile. Donc, quand vous allez sur Midway, vous avez. Enfin, sur Midway, pas Midway, Mickey Way, pardon. Vous avez le. Quand vous en voulez une adresse, vous avez le Midway AGC, le désert et le volcan. Enfin, le danger volcan. Donc on va aller sur Midway. Voilà, alors on va attendre la fermeture. Je vais juste vite me mettre en god. Voilà, alors désolé. Donc là, bah Midway, hein, si vous connaissez la série, hein, vous savez ce que c'est. Donc on a foutu Midway aussi. Donc on a les portes sont tous en local, hein, comme vous pouvez voir. Donc celle-là, elle est en local, et de l'autre côté, elle est en local. Voilà. Donc, ce sera des portes en local, donc vos propres portes des étoiles. Alors, attention, on va commencer à mourir, c'est pas grave. Vos propres portes des étoiles. Alors, attendez, je vais baisser le son de ma Garry's Mod. Ouais, bon, c'est normal si vous entendez ça. Vos propres portes des étoiles sont à. Vous pouvez. Enfin, oh, attendez, j'y arrive pas à l'utiliser. Voilà. Vos propres portes des étoiles, vous pouvez les mettre en local ou non local. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ces portes, toutes les portes qui sont sur le serveur que nous avons placées dans Word, sont des portes en local. Donc, il n'y aura aucune porte normale. On a pensé, parce que je pense qu'il y en a qui sont fans aussi. La super porte, la grande porte qui existe. Je pense, je suis pas sûr, mais je pense la placer sur le serveur. Ce qui peut être intéressant parce que sur le serveur, je vais faire entrer. Oui, ça je sais. Sur le serveur, on a le SBEP. D'accord? Donc le SBEP qui sert à faire des vaisseaux et tout. Et après, avec le pod contrôleur, enfin des trucs comme ça, vous pouvez contrôler votre vaisseau. Donc vous pourrez le faire traverser votre porte des étoiles. Ou alors vous pouvez même utiliser des vaisseaux qui existent déjà dans les portes des étoiles. Hein. Voilà, attendez. Là. Voilà, tous ces vaisseaux-là, vous pourrez. Sauf le dédale, vous ne pourrez pas l'utiliser. Parce que je sais pas à quoi ça fait le dédale. Attendez. Hop. Je lag un petit peu. Ah oui, le dédale, il est grand. Bien sûr, c'est pas un vrai dédale, hein, comme on croirait. Mais voilà, les vaisseaux comme ça, je les mettrai pas parce que ça foutrait un bordel pas possible sur le serveur. Voilà. Sinon, les autres vaisseaux sont bons, le Teltac aussi. Donc, je pense que je mettrai des super portes dans chaque galaxie pour une traversée tranquille, on va dire. Mais je suis pas sûr encore, voilà. Donc pour l'instant, ce qui est sûr déjà, c'est que le serveur fonctionne à merveille. Alors, nous allons retourner.
Alors, la zone staff, c'est notre zone staff. Je vais vous la faire montrer directement. Vous connaissez, vous connaissez déjà TSM, enfin, le serveur TSM, c'est la même map, hein, SB Galaxy, sauf que nous, elle est en vierge, hein, voilà. C'est modifié. Sur SB Galaxy, ils ont aussi ça. Son ça, c'est pour les privés, pour les versions privées. Que vous essayez de passer les rings de téléportation, ou que vous essayez de passer les portes des étoiles, vous ne pourrez pas. Voir, vous pourrez passer la porte des étoiles, mais vous allez retourner au spawn directement. Pourquoi ? Parce que c'est un. Enfin, parce que ici c'est un privé en fait. C'est que pour les modes. Ici c'est privé, c'est que pour les. Comment dire ? Pour les modes staff comme moi, donc en tant que super admin. Voilà. Donc ici vous ne pourrez pas y avoir accès, donc je vous fais montrer un petit peu hein, à quoi ça ressemble. Bon, ici ce sera notre propre construction, enfin tout ce qu'on a besoin pour le serveur, hein, si ce sera posté ici. Enfin, on postera ici et si vraiment l'idée est bonne, on le mettra sur le serveur, voilà. Alors il y a Igara, Atlantis, Midway en effet, on va aller sur Spawn Vegas. Bon, je mets pas le son de la porte parce que ça juste me casse un peu les oreilles et vous m'entendez pas beaucoup. Donc voilà. Hop, c'est parti. Voilà, Spawn Pegasus. Ah oui, les rings de téléportation, je les ai foutus en couleur comme ça parce que, je veux dire, comment dire. Au départ, quand vous faites une plateforme, vous avez ça, en couleur comme ça. Et moi, j'ai rajouté le matériau comme ça parce que ça fait beaucoup plus sympa. Et ça change un peu en fait surtout. Donc là, le Pega, enfin le spawn. Donc voilà. J'ai foutu ça aussi. Hein, ça peut être intéressant. Mettez-moi dans les commentaires si vous aimez ce que j'ai. Enfin, le décor là. Et si vraiment il y a la majorité qui aime pas, je supprime. Voilà. Mais voilà, j'ai mis ça pour savoir si ça pourrait être intéressant pour les joueurs. Voilà. Voilà, donc j'en ai mis ça. À l'intérieur, normalement, avant, il y a toujours les tardis, il faudrait que je les enlève. Hop. Attendez, j'ai une idée, on va faire comme ça. Parce qu'on a utilisé le. J'ai utilisé le. Arma props. On va. Right. Voilà. Donc, ça s'est armé. Voilà, donc on a foutu ça. Vous pouvez faire vos vaisseaux ici, voilà, hein, ces trucs-là. Alors, on va aller sur Igara. Et après, on ira sur Atlantis qui est là-bas. Bon, on utilisera la porte. Hein. On va pas se faire chier à comprendre. Déjà, je vous fais montrer un peu tout le serveur et après, je vous fais montrer les nouveaux modes. Enfin, le nouveau Tardis Reboot qu'ils ont foutu au serveur. Donc, l'Igara, hein, vous savez ce que c'est déjà, je pense. Pour ceux qui jouent sur cette map, vous savez déjà ce que c'est. Tout ça, c'est les airs libres. Hein. Vous pouvez jouer, vous pouvez faire tranquillement vos vaisseaux, vos constructions et tout. Il n'y a pas de problème. Il y a du PVP sur le serveur, mais il ne faut pas trop en abuser, par contre. Voilà. C'est tout ce que je dis déjà. Atlantis. Donc, ouais, ça rend assez bien en plus. Hein. Ça rend assez bien. On n'a pas mis de Stargate Universe parce qu'on a des problèmes sur le serveur par rapport à la porte et par rapport à l'énergie aussi. Voilà. Comme vous voyez là. L'énergie, voilà, on a foutu un DHD parce que l'énergie ici c'est un peu compliqué. Voilà, donc ici on est sur le hangar devant la planète. Voilà. Et nous on va retourner sur Pegasus. Spawn Pegasus. Et je vais vous faire montrer le nouveau TARDIS qu'ils ont foutu. Et vous allez aimer, ça c'est sûr et certain, vous allez aimer. Car ici. Enfin, sur ma chaîne, en tant qu'abonné, il y en a qui sont des grands fans. Peut-être tout le monde, hein, je sais pas. Mais il y a des grands fans de Doctor Who. Et celui-là, c'est pour les grands fans, comme moi. Voilà. Bon, voilà, je vous ai tout fait montrer. Attention. Alors, attendez. Entité. Donc là, le TARDIS. Ouais. Alors, par contre, on a pu les autres TARDIS parce qu'ils sont en train de les refaire. J'ai regardé un peu parce que ils ont un serveur. Il y a un serveur aussi, le serveur du. Enfin. Celui qui a créé les add-ons et il a un serveur. Et son serveur est génial. Bon, certes, il lag un petit peu parce qu'il y a plein de personnes qui vont. Il n'y a que 8 personnes qui peuvent y aller dessus parce que voilà, c'est pas un maxi-maxi. Et les add-ons qu'ils ont foutus. Et plus 2 add-ons en plus qu'ils ont foutus est vraiment génial. Je pense qu'ils les placeront dans les workshops, mais peut-être pas pour l'instant encore. Voilà. Donc, ça, hop, TARDIS Rewrite, Open TARDIS Rewrite, et attention. Intérieur. Et là, vous avez le 2005-2010, ça vous savez, le défaut de Legacy. Et le Hellbent. C'est quoi le Hellbent à votre avis?
Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Tada! Attendez, voilà. Tada! Voilà. Le TARDIS Hellbent, celui qui apparaît dans la saison 9 et dans la toute première saison des années 1969. Voilà, le tout premier épisode de Doctor Who qui est sorti. Donc, vous reconnaissez cette petite capsule. Hein. Voilà. Et bien sûr, à l'intérieur, la décoration est géniale. Alors, attendez. Ce que je vais faire. Je vais mettre un peu le son. Voilà. Alors, hop. Parti. Voilà, ça, on met en god. Alors, donc, le TARDIS a été modifié, largement modifié, et il est largement mieux que le 1963. Enfin, celui qu'ils ont sorti avant celui-là. Il est vachement beaucoup mieux. Tout est fonctionnel. Enfin, pas tout, mais il y a certains boutons qui sont fonctionnels. Voilà, c'est pour ça que je voulais pas mettre le son. Attendez, je vais essayer de faire un truc. Ouais, vous avez le temps pendant quelques secondes. Voilà. On aura plus de lag comme ça, voilà. Donc, le TARDIS. Une petite démonstration s'impose. Ah, il se soude automatiquement. Ok. Bon, il s'est soudé automatiquement, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que vous avez comme système? On n'a pas tout regardé, mais il y a certains systèmes déjà qu'on connaît. Donc, le fly ici. Voilà. Le rotor, attendez. Le rotor fonctionne très bien, hein, comme vous avez pu voir. Le dématérialisation. Hop. Hop, on va dématérialiser TARDIS vite fait. Voilà. Ce bouton là, je sais pas à quoi il sert. Donc, tous ces autres boutons ne fonctionnent pas. Et ce bouton là. C'est un bouton, il sert à quelque chose. C'est comme celui-là aussi que vous connaissez. C'est normalement un retour en arrière. Bon, voilà, ça c'est pas vraiment le retour en arrière. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. C'est vrai que ça fait bizarre comme ça, mais c'est très intéressant, hein, ça change un peu. Ah oui, c'est vrai que là, c'est un peu buggé. Bon, c'est pas grave à faire avec. Et vous avez le dernier bouton, donc celui-là, si je retrouve bien sûr. Voilà, c'est dématérialisation aussi, on va dire. Et avec ça, vous pouvez en faire des films, hein, de... Avec ce vaisseau et tout, vous pouvez en faire des films, hein, y a pas de souci. Ça peut être intéressant. Bien sûr, c'est toujours bugué. Hein. On va retourner sur Terre. Il a un peu bugué. Voilà. Hein, comme vous avez pu voir, il est complètement bugué. On va le supprimer. C'est pas grave. On va retourner vite fait sur Terre avant de mourir. Enfin, avant d'entendre ce fichu bruit. Voilà. Voilà. Donc, sur le serveur, vous pouvez faire spawner les TARDIS Rewrite. Il n'y a pas de souci. Il faut juste télécharger la donne qui va avec. Le Stargate. Les véhicules. Donc, les véhicules, je vous avais déjà fait montrer, je crois. Donc, voilà. Tout ça.
Hop, bon ça c'est le SPIP. Et cela. Bon par contre il y a certains véhicules qui sont complètement buggés. Celui-là je crois qu'il est buggé. Attendez. Voilà, celui-là il est un petit peu buggé. Alors pour ceux qui ont la collection complète, je pense que vous l'avez pas en buggé. Moi je l'ai en buggé, il faudrait que je règle le problème. Vous avez les LWK qui sont géniaux aussi. Voilà. Vous pouvez faire spawner, il n'y a pas de souci. Ça c'est au cas où si vous faites chier, hein, vous avez le droit d'utiliser ça, il n'y a pas de souci. Les armes, on n'a rien rajouté d'autre. On va peut-être bloquer certains trucs, vous avez le coup de poing aussi, ça peut être intéressant. Bon, par contre, ne pas trop exagérer avec les armes et tout. Hein. Voilà. Bon, ça, c'est rien. Voilà. Alors, on a quoi d'autre? Rien d'autre, je crois. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Le 3D pêcheur, j'avais déjà fait entrer. Non, aussi. Je crois que c'est tout. Je crois que je sais pas que je crois, je suis même sûr et certain que c'est tout. Bon, voilà. Donc vous avez pu voir le TARDIS Hellbent hein, en action. Ah je vous ai pas fait montrer comment il fait pour. Enfin comment ça se fait. Comment ça fait quand on vole avec. Attendez, je vais vous faire montrer vite fait. Ça fait stylé. Ça fait assez stylé en vol, hein. Je vous le rassure. Il va y avoir d'autres TARDIS qui vont bientôt. Enfin, normalement, les add-ons seront bientôt sortis pour les nouveaux TARDIS, normalement. Je suis pas sûr encore de la date. Il faudrait que je parle avec le créateur parce que le créateur, enfin, un de mes potes le connaît et que moi je le connais maintenant aussi. On verra comment ça se passe. Voilà. Donc sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de laisser un like, un petit pouce bleu aussi si vous avez aimé, hein. Voilà, de quoi faire monter un peu le. Bref, voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Bye!